Bon, ben, salut à tous les métalleux. Aujourd'hui, on va regarder pour une façon de compter du DN50 tout seul, l'inox. Donc voilà une façon de faire. Alors, c'est un truc qui n'est pas compliqué. Hein. Faut pas hésiter à plier les baguettes. Hein. Donc, ça en fait, c'est un coude, une barre droite, un T, un piquage, une barre droite, un coude, bride, bride. Pas avoir peur de faire des trucs comme ça. Bon là franchement on n'en aurait pas eu besoin, mais pour les débutants, pour pas qu'ils hésitent, n'hésitez pas à faire ça, il n'y a pas de honte. Ok, Donc ça voilà, ça va donner ça à la fin. Donc voilà, bon, il y a déjà un coude qui est pointé là, donc je vais mettre là-dessus sur les taux. Super. Pas. Ça remonte, fait maison. Deuxième. Ça, c'est ça. Donc maintenant, on va monter comme ça vers le haut. Ok. Voilà, si on peut, même si on en a un. Ici, mettre le niveau comme ça. Alors un conseil, bon là je fais le niveau, n'essayez pas de faire ça là, c'est chiant. Prenez ça, vous poussez. Ça, tac, tac, c'est bien. Ça, ok, ça c'est bon. Faire, je vais pointer. Alors moi je pointe plein au point flash, donc tac tac, en deux temps 100 ampères, ça va très vite. Ok, ça c'est bon. Donc ici va venir une manchette. Voilà. Ok. Ok, ça c'est bon, il faut faire attention de ne pas rocher dedans, là c'est bien, hop. Donc après, ici, j'ai une manchette qui vient comme ça, ok, donc pourquoi pas directement, c'est une autre façon.
un flash, on n'a pas besoin de métal. Pourquoi pas comme ça? Là, ce qui est bien aussi d'avoir ces deux trucs, c'est que voilà, le niveau, on l'aligne avec deux trous, ok, et ensuite on tourne la prise pour que le niveau là soit parallèle avec ça, ok, ça va très bien, hein? Ok, allez, ça va. Ça c'est bon. Super. Okay. Ici. Là, je rebouge un peu. Juste pour être plus centré un peu sur la vidéo. Donc là, on est bien. Si on fait la même manœuvre, on passe dessus. Les deux trous alignés. On pointe. Comme ça, ok, c'est bon, et maintenant on va mettre le coude ici, et une flanche, ok, comme ça, demande un peu à faire comme ça, à taper comme ça. Non. Marteau. Toujours marteau. Toujours le marteau. Parce que 20 ans à taper comme ça, catastrophe un jour. Moi je le sens déjà. Bon voilà, ça, on va mettre un coude. C'est une de cornière que tout le monde connaît, ça va bien aussi.
Voilà, et ça vient comme ça. Et on est comme ça. Ok. Donc pour pointer un coude, sans joint, voilà. Et le dernier truc, la bride ici, le même système. En fait, moi j'appelle ça du pointage en empilage. C'est beaucoup sur chantier quand tu dois poser des brides sur place ou quoi, ben, un atelier, mais. Ça pris pas mal de trucs de santé. Toujours pareil. Voilà. Bon ben voilà, c'est pointé hein, comme on a dit. Voilà, tac, 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 tac. On a compris ce qui est important en fait, c'est ben, déjà d'avoir des servantes pour tourner. Si vous n'avez pas de servantes comme ça, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est trop pratique, ça tourne tout le temps. Bon voilà, on a vu qu'on pouvait pointer avec ça. On a vu qu'on pouvait pointer à la main, tac, tac. Et on a vu qu'on pouvait pointer avec le câble. Mais ça, je m'en sers plutôt pour l'acier, pour faire avec du jour. Franchement, les cornets, c'est vraiment. Bon, ben voilà, c'était un petit pointage en DN50, diamètre 60,3. Et puis, on verra pour une prochaine vidéo.